Bonjour, l'activité on clique partout avec Microbit. En arrivant sur la page de l'application MakeCode, donc vous avez différents tutoriels, des jeux. En descendant dans la page, je vous invite à visiter ces différents éléments-là. Ça peut vous donner des idées, de l'aide également pour vous approprier les logiciels. Vous avez ici les derniers projets présents sur la machine. Donc, c'est le cookie qui reconnaît que il y a quelqu'un qui a fait ces projets-là, mais ce ne sont pas les projets de l'utilisateur. Donc, l'élève aura dû télécharger son projet sur une clé ou autre et venir importer son projet pour pouvoir retravailler sur son dernier projet. Donc, s'il a la chance de travailler sur le même ordinateur toujours, on ne s'inquiète pas trop de ça, mais sinon, il faut prendre l'habitude de télécharger nos projets. Nouveau projet. On entre donc dans l'application directement dans l'éditeur. Vous avez à gauche ici le simulateur, donc ça va démontrer une partie de votre programme s'il fonctionne. Donc vous avez le simulateur à gauche, au centre les différentes catégories de programmation. À droite ici, vous avez le script, le programme qu'on est en train de réaliser. Visitez ici le petit engrenage, donc les paramètres de langue par exemple. Si vous n'avez pas l'interface en français, c'est ici que ça se passe. Dans les différentes catégories, vous avez des éléments qu'on peut glisser-déposer. Donc, on peut déjà commencer à programmer notre microbit de cette façon. Ici, vous voyez à gauche le résultat. Donc, j'ai dit pour toujours, montre ces LED ici. Il les a allumés tout simplement à gauche ici dans le simulateur. Si je veux complexifier rapidement, donc par exemple, je veux seulement qu'il allume si j'ai appuyé sur le bouton A. Donc, encore une fois, à glisser-déposer. Ici, j'ai rien qui allume. J'appuie sur le A, j'aurai mes DEL qui allument. Donc, petit programme. Au démarrage, j'ai différents éléments. Donc, prenez le temps de faire le tour ici des catégories. Vous allez reconnaître si vous avez fait des exercices dans Scratch ou autre. Les extensions, donc dans le bas complètement des catégories, vous avez la possibilité d'ajouter des fonctionnalités à MakeCode. Donc, ils appellent ça tout simplement des extensions. Donc, selon les kits, selon les outils que vous utilisez, ça peut être ici que ça se passe. Donc, MakeCode, un logiciel assez simple d'utilisation avec les élèves. Prenez le temps de fouiller, prenez le temps de faire les exercices, de démarrer à la base et d'aller graduellement. Et vous allez voir que c'est relativement simple d'utilisation.